France, voici 10 choses que tu dois obligatoirement faire sans attendre. Voilà. Là, je suis devant mon PC. Je vais te lister les 10 points très très importants sans tarder. Premier point très très important, en fait, c'est la validation des visas. Dès que tu arrives en France, tu vas te rendre dans ce qu'on appelle les bureaux de tabac et tu vas acheter un timbre fiscal. Ça va coûter entre 50 et 60 euros, je ne me rappelle plus, mais je pense que tu as compris. Tu vas acheter un timbre fiscal et avec ça, tu vas valider ton visa. Et ça, il faut le faire avant les 3 premiers mois de ton arrivée. C'est urgent, je te conseille de le faire. Fais pas comme les autres qui vont attendre pendant des mois et après nous envoyer des commentaires. J'ai oublié, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je ne travaille pas à la préfecture. Et deuxième point très très important lorsque tu arrives en France, assurez-vous d'avoir un certificat de domicile. Oui, tu vas me dire, mais c'est évident. Attention, il y a beaucoup de personnes qui arrivent en France qui n'ont pas de certificat de domicile. Et je pense que tu l'as deviné. Sans certificat de domicile en France, eh bien, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas t'inscrire. Tu ne peux pas créer des comptes en banque. En fait, c'est obligatoire. Donc, s'il te plaît, mon ami, dès que tu arrives en France, même si tu n'as pas un appartement et que tu as un hébergement gratuit avec ton oncle, il faut lui demander un certificat de domicile pièce plus ses pièces d'identité. Si tu as un appartement, et bien évidemment, c'est facile pour toi. Tu vas fournir soit l'avis d'échéance ou bien tout document qui prouve que tu as un appartement. Voilà. Ensuite, troisième point très très important, lorsque tu arrives en France, c'est évident, finissez votre inscription le plus rapidement possible pour avoir un certificat de scolarité. C'est important de finir l'inscription parce que là aussi, il y a forcément des étudiants qui vont arriver en France qui vont retarder leur inscription parce qu'ils n'ont pas d'argent ou bien pour d'autres problèmes. C'est très important lorsque tu arrives en France parce que tu es étudiant d'avoir un certificat de scolarité parce que là aussi, forcément, ils vont te demander à plusieurs reprises. Voilà. Ensuite, quatrième point, faire une demande pour obtenir un numéro de sécurité sociale sur un site qu'on va appeler Amélie. Très très important. Moi personnellement, lorsque je suis arrivé en France, je suis parti chercher un emploi et bien évidemment, ils vont demander ça, un numéro de sécurité sociale. Donc mon ami, lorsque tu vas arriver en France, n'oublie surtout pas. N'attends pas un mois, pas deux mois, pas trois semaines. Dès que tu arrives en France, bien, va sur Amélie, inscris-toi pour avoir un numéro de sécurité sociale. Voilà, temporaire. Et après, tu auras une carte vitale. Ensuite, point numéro 5, je pense que c'est évident. Ouvrir un compte bancaire. C'est pas comme au Sénégal où tu restes là pendant 20 ans sans avoir un compte bancaire. Là en France, c'est obligatoire. Il n'y a pas d'excuses. Non, moi je peux vivre en France sans compte bancaire. Non, il te faut un compte bancaire, c'est obligatoire. Donc renseigne-toi parce qu'il y a beaucoup de banques. Il y en a qui vont t'arranger plus que d'autres. Donc ça, c'est toi qui dois prendre le temps, bien chercher les infos. Moi personnellement, lorsque je suis arrivé en France, j'avais comme banque Crédit Mutuel. Mais ça ne veut pas dire que je te conseille la banque Crédit Mutuel. Il y en a qui sont à Crédit Agricole, d'autres Boursorama, je ne sais pas quoi et quoi. Mais prends le temps de bien te renseigner avant d'ouvrir un compte en banque parce que c'est très très important. Et tu auras un RIB que forcément ton employeur là va te demander quand tu vas chercher un job étudiant. Voilà, sinon tu ne peux pas travailler. Attention, il y a des gens qui travaillent, on les paye en cash comme ça, mais je préfère que tu ouvres ton compte en banque. Voilà. Ensuite, numéro 6, prendre un abonnement téléphonique. Là aussi, c'est assez évident, mais je le dis quand même. Prends le temps de bien réfléchir et comprendre les offres avant de s'engager. Personnellement, j'ai testé Bouygues Telecom, SFR et beaucoup d'autres. Maintenant, finalement, je suis avec Bouygues. Mais toi, je ne te conseille pas forcément. C'est à toi de prendre le temps et de comparer les offres. Mais n'oublie pas, mieux vaut prendre un abonnement par mois que d'acheter à chaque fois des tickets, quoi. Voilà, des gigas, des mégaoctets, non. Prends un abonnement. Ensuite, numéro 7, évident, il faut chercher un job étudiant à côté. Il y a des gens qui vont arriver en France. Non, moi, il y a mon oncle qui m'a promis de m'envoyer chaque mois. Mais à un moment, les gars, sérieusement, tu es en France. Tu as eu la chance d'arriver en France. Mais va travailler le week-end. Ne me dis pas que tu es occupé toute la semaine. Non, nous on est là, on fait des vidéos, mais j'arrive à travailler le week-end. Je fais les vidéos, je vais à l'école, mais j'arrive à travailler le week-end. Pourquoi je bosse le week-end? Depuis que j'arrive en France, je ne vais pas appeler ici quelqu'un, mon père ou bien ma mère, à envoyer-moi de l'argent. Non, on n'est pas là pour ça. Donc, même si tu as quelqu'un qui t'envoie de l'argent, s'il te plaît, si tu as le temps, va chercher un job étudiant et travaille le week-end. Fais comme moi ou comme quelqu'un d'autre, travaille le week-end.
Comme ça, tu ne vas pas appeler ici quelqu'un qui pourtant envoie de l'argent. Voilà. Ensuite, numéro 8, prendre un rendez-vous. Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est la CAF en fait, aide au logement. Dès que tu arrives en France, renseigne-toi sur la CAF, les APL, pour aide au logement. Et ça, que tu vis en colocation ou pas, ou bien que tu aies ton propre appartement, renseigne-toi à la CAF, inscris-toi en ligne. Parce que si ton loyer, par exemple, est de 500 euros par mois, en 20 mètres carrés, eh bien, si tu t'inscris là, ils vont faire les calculs là, simulation, et souvent, ils vont te verser, non pas verser, ils vont payer ton loyer, peut-être la moitié ou bien environ 200 euros ou bien 100 euros. Voilà. Et ça, attention, parfois, il y a des gens, vous êtes en colocation, et lui, il bénéficie les aides APL, la CAF, et si tu ne sais pas, toi, tu vas payer un loyer normal et lui, il va bénéficier de la CAF. Hein. Il ne te dit pas parce que tu ne sais pas. Moi, je te le dis. Attention, que ce soit colocation, sous-location ou bien autre chose. Il faut savoir que la CAF existe. Ils vont t'aider au logement, ce qu'on appelle APL. Donc, inscris-toi, fournis tous les documents demandés parce que plus tu ne mets pas les documents au complet, plus ça va prendre beaucoup de temps. Et une chose très, très importante à savoir concernant la CAF, les APL, c'est que si tu fais l'inscription, les démarches au mois de janvier, ça va mettre beaucoup de temps avant qu'on commence à te payer ton loyer. Mais après, dès que c'est OK, ils vont te rembourser en fait l'argent. Disons que tu as fait les démarches au mois de janvier. Février, c'est toi qui payes un loyer complet. Mars, tu payes un loyer complet. Avril, tu payes un loyer complet. Mais quand ça va commencer la CAF, ils vont rembourser tous les mois là, passés là. Ça veut dire que tu vas rester peut-être 5 mois sans payer de loyer. C'est eux qui vont payer tout. Mais ils ne vont pas te donner l'argent comme ça. Voilà. Donc ça, c'était la CAF. Ensuite, on était où là? Chercher un job étudiant, la CAF. Maintenant, 9e position, organiser ses dépenses. Avoir l'habitude d'organiser ses dépenses. Si tu n'as... Si, non. 9e position, organiser ses dépenses. Avoir l'habitude d'organiser ses dépenses. Si tu n'as pas envie de te retrouver à découvert avant la fin du mois, comme 90% des étudiants en France, ça, je te le dis, hein, si tu viens d'arriver en France, sauf que ici en France, les gens ont tous un problème en particulier, c'est que les gens ici, lorsqu'ils sont payés, en fait, vers le 25, leur salaire là, c'est fini, quoi, en fait. Donc là, ils sont pressés que la fin du mois arrive pour qu'ils puissent encore une fois avoir le salaire là et le dépenser le plus rapidement possible. Donc les gens, ils vivent comme ça ici, hein, la majorité. Et toi, je te conseille pas de vivre comme ça. Hein. En mode là, le 20, t'as rien sur ton compte en banque et t'es obligé d'attendre le 30 pour avoir de l'argent. Non. Organise-toi, multiplie tes sources de revenus. C'est pourquoi je te conseille de travailler, même s'il y a quelqu'un qui t'envoie de l'argent. Voilà, donc travaille bien, organise tes dépenses, contrôle tout ce que tu fais pour pouvoir franchement dépenser ton argent jusqu'à la fin du mois sans te dire non, il faut que la fin du mois arrive là parce que j'ai pas d'argent. Nanana. Non, 10e position, dès que tu arrives en France, surtout les Sénégalais là, parce que je ne connais pas bien comment ça fonctionne pour les autres pays. Parce que dès que tu arrives en France là, forcément dans la grande ville où tu es là, par exemple à Orléans, si tu t'es perdu, tu te perds en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour vous aider. Notamment les associations d'étudiants. Si on prend l'exemple de la ville de, disons Paris, c'est un exemple, hein, Paris-Nanterre, ou bien Paris-Créteil, je ne sais pas quoi et quoi. Dès que tu arrives là, et que tu comprends rien, comment ça fonctionne, comment on fait pour avoir un logement crous, comment on paye Sévèque, comment on fait ça et ça, cherche plutôt où se trouvent les gens de votre association. Souvent, ils sont là pour vous aider parce qu'eux, ils savent que vers septembre ou bien août, il y a forcément les nouveaux étudiants qui viennent d'arriver en France. Donc, eux, ils seront là pour vous aider. Donc, ça, c'est un conseil très, très important. Et ça fonctionne normalement pour tous les pays. Pas que le Sénégal. Et moi, je connais le Sénégal parce que je ne sais pas si ça existe pour Djibouti, mais forcément, oui, ça existe. Voilà. Donc, n'oublie pas de liker la vidéo et surtout, abonne-toi parce qu'il y a beaucoup d'autres vidéos très, très importantes qui vont arriver. Et une autre chose très, très importante que tu dois faire lorsque tu arrives en France, qui pour moi est la chose la plus importante, eh bien, c'est de me cliquer sur ce bouton s'abonner là. Voilà, merci beaucoup.